Salut tout le monde, c'est Gilles. On se retrouve pour un petit tuto sur comment booster sa connexion, sa vitesse de téléchargement, on va plutôt dire. Et là, ça marche un peu pour tout, mais là, je vais essayer avec Steam. Ça peut marcher avec uTorrent, même avec par exemple le launcher de Star Wars The Old Republic. Ça marche dès lors que vous téléchargez, ça booste votre connexion. J'ai essayé aussi avec le Uplay, ça marche. Donc vous voyez, toc, là je suis en train de télécharger PlanetSide 2. Téléchargement. Donc là vous voyez 700 kbits seconde, ce qui est assez nul on va dire. Donc hop, vous allez télécharger Sheet Engine. Donc vous allez le je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. En fait oui. Attendez que ça se lance. Comme je filme, ça va peut-être mettre un peu de temps. Allez. Voilà. Donc après, vous cliquez sur en bas de file, vous avez une sorte de petit ordinateur avec une loupe. C'est select au process to open. Puis après, vous allez tomber sur vos processus. Donc là, vous voyez, il y a Camstadia, Rocketdock. Là, vous allez choisir pour Steam, hein, steam.exe. Mais si c'est. Je vous montrerai aussi avec uTorrent, je vais vous montrer. Après, vous faites Open. Après, vous cliquez sur Executable. Voilà. Faites Enable Speed Hack. Attendez que ça se lance. Et vous faites 0.1. Et vous faites Apply. Hop. Donc. Après, vous allez voir votre Steam, Steam ou alors ça va un peu bugger. Donc, je vais faire une ellipse et après, je vais vous montrer vraiment quand ça marchera. A tout de suite. Voilà, on se retrouve après à peine une minute. Bon, là, comme je filme, ça fait pas grand chose. Mais vous voyez, avant c'était à 850 Ko secondes. Maintenant, je suis à 2 mégabits secondes, ce qui est supérieur. Donc, là, comme je filme, ça va mettre. Ça va un peu moins vite, mais j'ai atteint les 15 mégabits secondes et je peux vous dire que PlanetSide 2, je l'ai téléchargé en 20 minutes. Là, vous voyez, 3. Donc, comme je filme, ça va pas très vite. Mais aussi, il faut se dire que votre Steam va bug un peu. Donc, regardez, je vais vous lancer le PlanetSide 2. Comme ça. Bug un peu, vous voyez, la page s'affiche doucement. Mais au bout de à peine d'une heure, on va dire, vous téléchargez des gros fichiers. Donc on va mettre en pause. Hop. Je vais refaire une ellipse et je vais vous montrer cette fois-ci avec uTorrent. Oh, tout le monde se retrouve cette fois-ci sur uTorrent. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas de téléchargement. Donc vous lancez votre uTorrent normal, donc vous relancez le Cheat Engine, vous cliquez sur le petit ordinateur avec une loupe et vous retombez sur vos processus. Là, vous cliquez sur uTorrent.exe, vous faites Open. Vous refaites pareil, Enable Speed Hack 0.1. Donc cette fois-ci, avec uTorrent, vous atteindrez une vitesse de téléchargement un peu, on va dire, moins grande que uTorrent. Vous n'allez pas atteindre les 2 mégabits secondes, parce que pour ceux qui connaissent, uTorrent, c'est du partage de fichiers, donc vous êtes plusieurs sur le fichier. Donc voilà. Donc comme ce téléchargement est fini. Hop, toc, toc. Donc c'était un tuto vraiment rapide, mais voilà, c'est pas pour vous montrer que certains tutos, pas besoin d'être compliqués pour pouvoir faire des choses. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et puis abonnez-vous à notre chaîne, ou alors si vous n'avez pas de compte, vous pouvez toujours aller sur notre Facebook. Voilà. Donc c'était Gilles et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.